Le conseil de gouvernement, ce lundi après-midi à la préfecture de Korogo, a ouvert ainsi le bal des nombreuses activités qui vont marquer à partir de mardi la visite d'État du président de la République dans le district des Savanes, notamment la tenue dès son arrivée mardi à Korogo du conseil des ministres sous sa présidence. Réunion préparatoire, le conseil de gouvernement sous la supervision du premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'est tenu ce lundi à 17h dans la salle du conseil aménagée dans les locaux de la préfecture. Elle a enregistré la présence de plusieurs ministres pour passer en revue les nombreux sujets relatifs au développement de cette grande partie nord de la Côte d'Ivoire avant de les soumettre mardi à la décision du président de la République et l'ensemble du conseil des ministres. En ce qui concerne la question des femmes, puis des enfants, sur les femmes, il y a la question des violences faites aux femmes qui de façon récurrente nous préoccupe, notamment en ce qui concerne les mutilations génitales féminines qui sont malheureusement une réalité ici. Et en ce qui concerne l'enfant également, nous avons des préoccupations concernant certains phénomènes qui, d'après nos services ici, reviennent de façon récurrente et qui relèvent de pratiques néfastes, notamment le sort réservé aux enfants dits sorciers, donc des enfants qui souffrent d'autisme profond et qui, bien au contraire, ont besoin d'encadrement, ont besoin d'un suivi psycho-éducatif. Nous avons également des enfants, le cas des enfants talibés, qui en général viennent des pays étrangers et qui sont utilisés donc, pour la mendicité. La région est restée l'un des parents pauvres depuis l'indépendance. S'agissant des infrastructures sportives, il est question également d'amener les autorités à prendre conscience de la nécessité d'orienter les jeunes vers les programmes et autres projets qui ont été élaborés et conçus à leur endroit. S'agissant ici du Fonds national de la jeunesse, il est important que la région bénéficie d'infrastructures nouvelles pour que, quand on parle de championnat national dans les différentes disciplines de Côte d'Ivoire, on sent que le championnat national, c'est l'ensemble du territoire national et non Abidjan. Une préoccupation qui va certainement être évoquée en conseil de gouvernement et en conseil des ministres, les nombreux accidents de moto dans la région, ce qui amène la ministre de la Santé à lancer cet appel à la prudence. Avant même l'arrivée du président de la République, depuis hier, nous avons déjà enregistré des accidents de moto. Et nous voudrions peut-être lancer un message à la population afin qu'elle soit très prudente et que cette fête, n'est-ce pas, cette communion avec la population ne devienne pas des moments tristes à passer. Alors vraiment, attention aux motos, faites attention, portez des casques. Et